on a décidé d'occuper un bâtiment public qui soit en mesure d'accueillir 300 personnes pour justement s'organiser et visibiliser encore le dossier des sans-papiers ici en Belgique. Comment est-ce qu'ils vivent ici dans Bruxelles ? La majeure partie des sans-papiers ici en Belgique travaillent au noir. Et ça, tout le monde le sait. Hein. Parce qu'il faut manger, il faut subvenir à ses besoins, donc ils sont obligés de travailler en noir. Bien sûr, avec toutes les conditions du travail en noir, sous-payé, maltraitance, des fois le patron refuse de payer même. Donc c'est une vie de précarité généralisée que subissent les 150 000 sans-papiers ici en Belgique. Et les gens ici sont des pères, des parents de famille ou sont des individus? C'est un mélange de célibataires, d'hommes, femmes, familles, enfants. Et ils viennent d'où? C'est des Équatoriens, c'est Marocains, Algériens, Subsahariens, Iraniens. Est-ce que vous avez un message? Justement, comme je dis toujours, ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est pas vraiment les frontières, mais c'est les fausses frontières qui s'établissent entre les gens, les frontières invisibles. Donc s'il y a une situation de l'endroit subie par des milliers de gens ici, ce qu'on appelle sans-papiers, c'est parce qu'il y a un manque, une sorte de malinformation. Donc c'est pour ça que nous occupons des espaces publics pour rendre cet espace un espace de rencontre avec les Belges, un espace de rencontre direct avec les Belges. Pas mal de nous ont tardé, on leur a volé leur jeunesse, quoi. Voler 8 années, 10 années, jusqu'à 15 années de la belle vie d'un immigrant qui veut changer les idées ailleurs ou qui veut évoluer autrement. Je peux considérer comme étant un crime contre l'humanité. On se retrouve sans rien, sans travail, sans avoir cotisé, sans avoir l'espoir de pouvoir gérer un peu sa vieillesse dans le calme. C'est un peu inquiétant. C'est des questions qui peuvent amener des humains à se suicider, à finir avec leur vie. C'est le moment de penser à tout ça. C'est le moment que les responsables politiques pensent à l'avenir de l'homme. C'est très important. Et c'est inquiétant.